Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter les Woody, la façon dont je les utilise. Donc, ce sont des crayons aquarellables pour enfants. On peut les utiliser sur les vitres. On peut les utiliser comme craie grasse. Et on peut les aquareller pour les coloriages de deux façons. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai sélectionné ces couleurs-là. Dans la boîte, il y en a 18. Moi, j'ai pris ceux-là. Dans la boîte, vous avez également un taille crayon. Donc j'utilise un livre de Joanna Passford. Donc on colorie hein, grossièrement. De toute façon, la mine est tellement grosse que ça ne permet pas du tout d'être précis. La précision, elle viendra après avec la façon dont on va aquareller et après repasser au Prismacolor. Pour aquareller, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau Artistro que je trempe dans l'eau. Que je suis pas à l'aise avec le réservoir d'eau, mais je l'utilise pour la mine qui est bien rigide, que j'aime bien. Donc voilà, quand on aquarelle, c'est assez sympa. J'en ai pas mis beaucoup et ça s'aquarelle très bien. Il est mignon comme tout ce petit dessin. Les chats sont assez rares chez Joanna Bassford. Le fluo que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Et le Woody, en fait, je vais l'utiliser comme base, comme je fais avec les Albrecht Dürer. C'est-à-dire que je vais colorier par-dessus avec les prismas.
peu de blanc. Voilà, donc avec un tout petit peu de matière, on obtient un résultat sympa. Alors maintenant, je vais prendre les Prismacolor. Alors, je vais utiliser le Blue de Nîmes. Le magenta, le rouge quadricromie, le lilas et le Derwent Drawing noir. J'en ai acheté un blanc également. Le blanc qui m'a été conseillé par Audrey Mogg. Donc là, je viens recolorier par-dessus. C'est sympa d'avoir une petite base aquarelle. Je vais remplir un petit peu le cou, pas trop. Après, je fais l'ombre sous les feuilles pour donner du relief.
un Albrecht Dürer que j'utilise à sec. Voilà. Donc là, vous avez compris le principe. La tête du chat, elle est à retravailler. Hein. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais le fond. Alors, le fond, la technique est différente. Je vais venir prendre l'aquarelle sur les woodies. L'effet est encore différent de l'aquarelle, je trouve. J'espère que vous voyez bien. C'est entre la vapeur et les nuages. Et je vais alterner mes couleurs. Si je mettais directement les pigments comme j'ai fait pour le chat, en fait, ça pourrait faire un fond galaxie très sympa. Voilà, donc là c'est quelque chose de très doux. Je repasse avec le blanc un petit peu.
Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez tendre. Voilà, j'espère que vous a plu. Et ben je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Ciao.